je suis Benounas Farah, enseignante-chercheuse à l'École des études commerciales et ancienne étude de l'Institut national de commerce. Alors, l'internationalisation de l'horizon des entreprises a propulsé le monde des affaires internationales au rang de préoccupation majeure des États. Cette spécialité a connu un engouement particulier au courant des dernières années et notre école a été l'une des premières à lancer cette spécialisation, le tout axé autour d'un programme particulièrement intéressant sur un large domaine d'études qui comprend à la fois le management, le marketing, la logistique internationale ainsi que la finance. Le tout encadré par un excellent corps professoral. Alors, en dépit des enjeux majeurs du monde des affaires, ce qui justifie justement cet engouement, ce sont les importants débouchés qui en découlent, c'est-à-dire que ça ouvre à la fois la voie à une carrière internationale à travers l'expatriation, mais surtout envers l'international, et ce, tant dans le domaine public que privé, mais aussi dans le domaine de la recherche. Il faut savoir que les multinationales demandent énormément d'éléments qui sont à la fois aptes à comprendre leur philosophie et à faciliter leur démarche. C'est surtout dans le domaine du transport international de marchandises, par exemple, ou dans les secteurs du développement, de la stratégie et du conseil à l'international. Il faut aussi savoir que le monde des affaires internationales n'est pas exclusivement axé sur l'économie, mais revêt un triple caractère à la fois économique, politique et juridique, ce qui fait que les institutions publiques sont particulièrement demanderesses d'éléments qui peuvent participer justement à la promotion des exportations. Il faut aussi savoir que les acteurs locaux ont besoin dans leur démarche d'exportation d'avoir des éléments qui sont formés dans cette discipline et qui peuvent à la fois les aider en matière de développement, de stratégie, mais aussi sur le plan opérationnel à travers le pilotage des opérations et des transactions du commerce international. Et qu'en Algérie, le chantier de la promotion des exportations revêt une importance capitale. C'est dans cette perspective que s'ouvrent de multiples domaines de recherche qui font que ça peut facilement ouvrir la voie à une carrière académique dans le monde de la recherche scientifique.